Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope pour les Scorpions pour 2024. Donc pour tout comme pour tous les autres signes, je vais faire donc l'horoscope général du signe du Scorpion. Donc c'est un horoscope solaire, donc c'est-à-dire général. Il ne remplace pas une consultation avec un astrologue, hein, je tiens à le rappeler. Parce qu'on a juste un aperçu en fait des influences générales sur le thème. Mais ça ne remplace pas la consultation avec un astrologue avec votre thème personnalisé, donc un horoscope plus personnalisé. Donc là, je vais faire donc les trois décans du signe du Scorpion. Donc le premier décan, soit les natifs nés du 24 octobre au 3 novembre, hein, de manière générale, selon les années, selon certaines années. Il y a des années bissextiles, donc ça peut varier de 1 ou 2 jours. Le deuxième décan, sont les natifs nés du 3 novembre au 13 novembre. Et les troisième décan, les natifs nés du 13 novembre au 22 novembre. Donc on va commencer par le premier décan du signe du Scorpion. Alors donc les natifs premier décan donc du signe du Scorpion, alors quelles sont vos influences astrales donc pour cette année 2024? Donc tout d'abord vous aurez votre soleil de naissance qui sera carré à Pluton en Verseau. Alors Pluton c'est votre planète, hein, c'est la planète maîtresse du Scorpion, donc c'est une influence très puissante. Donc ça sera du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre, donc pratiquement toute l'année. Hein, le Pluton va arriver presque définitivement en Verseau, donc c'est comment dire, la planète là va se mettre au carré à votre Soleil. Alors surtout pour les premiers décans, tout début du signe, donc les natifs nés vers le 23, 24, 25 octobre, on va dire à peu près. Après vraiment les autres, ce sera plutôt l'année prochaine. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un aspect plutôt difficile, hein, compliqué, un aspect de destruction, hein, propre au Scorpion. Alors, en plus, Pluton, c'est votre planète, donc dans les mots aspects, c'est vraiment la notion de destruction, de remise en cause profonde de votre vie, de tout ce qui est intérieur en vous. Enfin, il y a des schémas de vie qui ne correspondent plus à ce que vous souhaitez. Alors, vous avez peut-être eu un aperçu durant l'année 2023, vers mars, parce que Pluton a fait une petite incursion en Verseau, donc ça a duré que 2 mois et demi, mais c'était peut-être une petite influence qui a commencé. Là, vous allez le sentir un peu plus. Donc, selon votre thème, encore une fois, ça peut être plus ou moins puissant. Hein. Si vous avez des bons aspects qui soutiennent, ça sera relativisé. Par contre, si vous avez déjà, par exemple, déjà un carré de Pluton dans votre thème, par exemple, là, il faudra s'en méfier parce que ça peut être assez destructeur. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines de vie. En Verseau, c'est tout ce qui a rapport avec les réformes, la liberté, refaire le monde, l'indépendance. Donc, il peut y avoir des changements à ce niveau-là. On a envie peut-être de plus de liberté, de plus se faire piéger, hein, surtout avec un monde qui nous attend, un monde de contrôle total, hein, un monde on va dire, de orwellien, hein, qui nous attend. C'est vrai que peut-être vous qui êtes très alerte sur tous ces domaines-là, tout ce qui est en fond de toile, vous savez, un peu. Ce qui est caché en coulisses souvent, hein, vous êtes très lucide sur le monde, sur les gens, enfin voilà, la plupart, pas tous, mais voilà, de manière générale. Et là, peut-être qu'il y a des choses que vous n'accepterez pas et préférez revendiquer votre soif d'absolu. Voilà, de pas. Le scorpion, il est prêt à s'autodétruire pour se régénérer. Donc, c'est voilà, vous êtes prêt à tout peut-être pour certaines choses. Et donc, ça a un aspect assez. C'est difficile. Alors dans le pire des cas, ça peut être une maladie, ça peut être la fin d'une relation, une déchirure avec un homme, une relation avec une autorité qui se rompt, enfin qui se pourrit en fait. C'est une notion de pourrissement avec Pluton, une notion de destruction, de haine, de vengeance. Donc attention à tout ce qui peut être difficile à vivre là durant cette année, hein, qui va peut-être vous miner le moral. Alors, à relativiser, hein, forcément, selon le thème de chacun, hein, c'est peut-être pas forcément si dramatique que ça, mais il faut quand même avoir conscience que c'est un aspect très puissant. Et donc, voilà, il faudra regarder selon votre thème, en effet, s'il y a un impact assez puissant, en fait. Donc, voilà, préparez-vous, hein, il faudra être alerte, essayer de vivre au mieux ces transformations, ces changements assez difficiles. Et ça sera plus pour un renouveau, mais par la suite, il faudra être patient, bien sûr. D'ici quelques années, malheureusement. Alors, ensuite, vous avez aussi des bonnes choses. Vous avez le soleil, votre soleil qui sera trigone à Saturne en poisson du 1er janvier au 2 mars. Donc là, en revanche, c'est un aspect de consolider certaines choses. En poisson, ça peut être l'atteinte d'un objectif de manière idéale, un objectif de vie. Donc, peut-être vouloir concrétiser
des choses sur la durée. Donc là, ça peut être positif en ce début d'année. Donc n'hésitez pas à suivre aussi votre intuition, hein. Vous avez du flair, vous êtes un signe d'eau, ne l'oubliez pas. Ensuite, vous avez Soleil opposé à Jupiter en taureau du 1er janvier au 21 février. Donc là, encore une fois, attention aux excès, hein. Il peut y avoir une distanciation qui peut se faire avec un homme, un mari, une autorité ou autre. Mais ça peut être aussi, voilà, une sorte de vanité. On peut être un peu trop orgueilleux, trop confiant en soi, trop dépensier avec le côté matériel du taureau, par exemple. Mais pas que. Alors, il faut voir après dans vos maisons respectives. Ensuite, il y aura Soleil quinconce Jupiter en Gémeaux du 26 mai au 9 juillet. Donc, encore une fois, un peu un aspect comme précédent, mais en moins puissant. Donc, peut avoir un peu de largesse, des légères aisances, on peut se sentir un peu à l'aise dans les contacts, les relations, vouloir en faire peut-être trop, beaucoup de déplacements, d'échanges qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Soleil sextile Mars en Capricorne ensuite du 5 au 18 juillet, 18 janvier pardon, en début d'année. Donc là un bon aspect pour agir, pour atteindre vos buts, donc tout ce qui a rapport avec l'action, pour construire, pour bâtir certaines choses, comme avec ce trigone de Saturne en Poissons aussi que vous aurez en début d'année. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant pour faire ce qui vous tient à cœur et bâtir certaines choses. Alors ça peut être pour le travail, mais pour d'autres domaines bien sûr. Ensuite vous avez en revanche Soleil carré Mars en Verseau du 14 au 27 février. Donc attention à cette période au niveau de la rébellion. Hein. Il y a un côté agressif, rebelle, vindicatif. Donc attention à l'agressivité. Ça peut être dans les relations amicales en Verseau, mais pas que. Il peut y avoir dans des relations de groupe, associations ou autres, où on peut se sentir agressé ou être agressé. Donc attention de ne pas subir un mauvais coup imprévisible hein, en Verseau. Donc soyez un peu attentif, alerte, et de garder vos nerfs surtout. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Poissons du 23 mars au 5 avril. Donc là, en revanche, un bon aspect pour agir de manière intuitive. Hein. Vous agissez en fonction de vos idéaux, de ce que vous ressentez profond. Vous êtes animé par une certaine foi pour faire certaines choses. Donc là, c'est suivez votre intuition, elle sera efficace à ce moment-là. Donc, très bonne énergie aussi pour se dépenser, etc. Soleil quinconce Mars en Bélier ensuite du 1er au 14 mai. Donc là, une légère dichotomie avec, encore une fois, des légères oppositions, des légers conflits. Alors, on peut être un peu nerveux aussi à ce moment-là. Donc gardez un peu vos nerfs, bon ça sera pas violent, ce sera pas méchant, mais on peut avoir des petites rivalités. Ensuite, Soleil opposé Mars en Taureau du 10 au 23 juin, donc là en revanche il y a des fortes rivalités, donc fortes agressivités qui peuvent se faire, des mésententes, des conflits. Donc en plus Mars est en exil dans ce signe, donc attention à certaines colères qui peuvent être rentrées ou ce côté un peu comment dire colérique là qui peut survenir à ce moment-là où il y a des choses rentrées et qui sortent sans arrêt. Donc attention de pas trop ressasser certaines choses. Alors vous êtes un signe qui a plutôt tendance à extérioriser, mais c'est possible que vous puissiez garder pour vous certaines choses et ressentir aussi des conflits avec autrui à ce moment-là. Soleil quinconce Mars en Gémeaux ensuite du 21 juillet au 4 août, donc là légère ensuite encore une fois tension dans les échanges, on va dire, on va mettre en place certaines choses avec de manière pratique, avec des idées malignes et pratiques. Ce sera pas toujours bien perçu, ça peut être une légère tension avec autrui dans la façon de faire. Bon, c'est pas méchant. Ça peut être dans les déplacements aussi. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Cancer du 5 au 23 septembre. Donc là, en revanche, une très bonne énergie pour agir en fonction de votre intuition, vos ressentis, Soleil, signe d'eau tous les deux, hein, Cancer, Scorpion. Donc vraiment suivez votre intuition, votre flair, vos ressentis. Ça peut être agir pour la famille, hein, Cancer, mais pas que, dans divers domaines de vie selon votre thème. Donc voilà, bonne énergie pour agir encore une fois. Soleil carré Mars en Lion du 5 novembre au 31 décembre. Donc là en revanche une fin d'année un peu compliquée, vous pouvez être encore une fois un peu en tension à ce moment-là. Il peut y avoir des conflits d'ego hein, en Lion, des conflits ça peut être dans les relations amoureuses, par exemple, en Lion avec les enfants. Ça peut être vouloir avoir le dernier mot, hein, être vainqueur, être celui qui a raison. Donc attention de ne pas, voilà, pas trop écraser par votre volonté, par votre charisme et votre, comment on pourrait dire,
votre côté un peu autoritaire qui peut avoir lieu peut-être à ce moment-là. Et enfin, Soleil quinconce nœud nord en bélier du 25 juillet au 31 décembre. Donc là, c'est un aspect léger sur une évolution de chemin de vie qui peuvent se faire de manière un peu, comment on pourrait dire, avec des petites embûches, des petits obstacles à sauter, à surmonter, pour s'affirmer en fait. Il y a un aspect d'affirmation qui doit être fait à ce moment-là, en deuxième semestre. Donc il y a peut-être certaines choses à revoir pour évoluer sereinement. Et individuellement dans votre chemin de vie. Alors je sais c'est particulier, il faut voir après en fonction de votre thème personnel, parce que là je peux pas rentrer trop en détail malheureusement. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant pour le premier décan du signe du Scorpion. Alors maintenant j'ai parlé du second décan donc du signe du Scorpion. Alors les influences pour vous donc pour 2024, donc vous aurez Soleil opposé Uranus en Taureau du 1er janvier au 13 mars. Donc ça donne un aspect de rébellion, d'indépendance, de vouloir sortir des sentiers battus. Donc vous voudrez peut-être vous démarquer d'une autorité, d'un homme, d'un père par exemple, pour une femme, mais pour un homme aussi. Ça peut être un aspect où, voilà, où on se sent un peu emprisonné, un peu, comment dire, un peu étouffé, on veut un peu se libérer, hein, c'est un aspect de libération, mais plutôt mal vécu, c'est-à-dire qu'on veut arracher ses chaînes, hein, qu'on peut ressentir. Donc il y a un aspect un peu de révolte, d'excentricité. C'est un aspect assez électrique, un peu tendu, donc attention aux réactions. Hein, on peut rompre certaines choses, ça peut être des relations dans le pire des cas, selon les aspects et selon votre thème. Donc voilà, aspect de tension en ce début d'année. Ensuite, Soleil, Trigone, Saturne en Poisson du 2 mars au 31 décembre. Donc là encore une fois, bon aspect. Pour bâtir certaines choses durables dans le temps, on peut être beaucoup plus sérieux, posé, serein sur certaines choses qu'on veut établir dans le temps, peut-être des objectifs de vie qui vous tient à cœur, hein, où vous avez un côté aussi, comment dire, intuitif avec les signes d'eau. Vous voulez peut-être bâtir quelque chose d'idéal dans votre vie. Donc après, tout dépend du thème, ça peut être au niveau financier, familial, amoureux, dans le travail ou autre. Voilà, donc à voir sur votre thème. Ensuite, vous avez Soleil opposé Jupiter en Taureau du 22 février au 14 avril. Donc là, attention aux excès. Vous pouvez en faire trop, être trop sûr de vous, un peu trop, comment dire, orgueilleux. Il peut y avoir un côté suffisant. Donc attention aux dépenses aussi au niveau matériel et financier. Donc voilà, on peut en faire trop et plus que ce qu'on pouvait faire. Donc attention à revoir certaines obligations, certaines choses. Soleil quinconce Jupiter en Gémeaux ensuite du 10 juillet au 10 septembre. Donc là, pareil, un peu une légère exagération dans les échanges cette fois-ci plutôt, dans les communications. Peut-être beaucoup de certains contacts qu'on veut être un peu à droite à gauche. Donc il peut y avoir un aspect un peu de dispersion. Et en parler un petit peu beaucoup, bon c'est léger, par contre c'est un aspect très léger, mineur. Ensuite, Soleil sextile Mars en Capricorne du 18 au 31 janvier, donc là en revanche un bon aspect pour agir de manière constructive, aller au bout des choses avec persévérance, sérieux, donc une énergie pour bâtir par exemple du travail, c'est assez productif, c'est assez efficace, ça peut être bien pour atteindre vos buts. Ça peut être dans certains domaines de vie, hein, pas que pour le travail, pour le sport ou autre. Hein, donc ça peut être, voilà, ça peut être très positif à ce moment-là. En revanche, Soleil carré Mars en Verseau du 27 février au 10 mars. Donc là, à nouveau une tension qui peut se créer, mais cette fois-ci au niveau de l'agressivité. Il peut y avoir des conflits dans les groupes, des associations avec des amis, par exemple, mais pas que. Donc attention à ce qui peut être employé, des actions assez vindicatives, rebelles. Donc soyez un peu alerte et attentionné, attentif à ce moment-là. Ensuite, donc vous aurez Soleil Trigone Mars en Poisson du 5 au 18 avril. Donc là, une bonne énergie pour agir en fonction de vos idéaux, de ce qui vous tient à cœur, de vous battre pour un idéal en fait. Donc utilisez encore une fois votre intuition dans des signes d'eau, Poisson, Scorpion, donc très efficace à ce moment-là. Vous avez du flair. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Bélier du 15 au 26 mai. Donc là, en revanche, une légère tension dans les actions qui peuvent être menées. Il peut y avoir des petites querelles qui se mettent au goût du jour ou des petites mésententes, mais bon, c'est pas méchant, c'est un aspect mineur. En revanche, Soleil opposé Mars en Taureau du 23 juin au 6 juillet. Donc là, attention, une tension beaucoup plus
intense, beaucoup plus franche, beaucoup plus directe. Donc attention de pas ressasser certains problèmes parce que ça peut ressortir de manière comment dire différée, assez violente. Mars est en exil dans ce signe, donc il n'est pas à l'aise, donc il y a un côté colérique que vous pouvez avoir ou recevoir, donc attention dans les rapports avec autrui, avec un homme, un père aussi, par exemple, aussi, de manière générale. Donc soyez modérés, parce qu'il y a la tension dans l'air. Soleil quinconce Mars en Gémeaux du 5 au 19 août, là, en revanche, une légère tension encore une fois, mais dans les discussions, peut-être plus dans les échanges, les déplacements, dans les idées que vous voulez mettre en place, c'est peut-être pas toujours bien accepté ou bien vu. Il peut y avoir des choses à revoir, bon, c'est pas, voilà, c'est pas méchant. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Cancer du 23 septembre au 12 octobre, donc là, en revanche, bon aspect pour agir enfin, avec votre intuition, encore une fois, en signe d'eau, hein, Cancer et Scorpion, donc vous avez du flair, vous agissez avec vos émotions, vos humeurs, donc ça peut être pour la famille en Cancer, mais pas que, ça peut être dans d'autres domaines de vie, selon votre thème, donc en tout cas, vous avez beaucoup d'intuition et servez-vous-en. Ensuite, Soleil sextile Lune noire en Vierge du 1er janvier au 31 mars. Donc là, un bon aspect pour régénérer certaines choses dans votre vie. C'est pour combler certains manques, sublimer certains manques. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, enfin le travail quotidien. Ça peut être des tâches ménagères, des tâches du quotidien, la routine, des obligations de vie. Où il y a des choses peut-être à revoir, à combler, un manque aussi en soi. Avec une certaine assise intellectuelle qui peut vous aider pendant ces 3 premières années, voilà, il peut y avoir des choses à revoir et qui peuvent vous combler. Soleil quinconce nœud nord en Bélier du 1er janvier au 24 juillet, donc là une légère tension pour des légères difficultés on va dire pour arriver à votre che enfin à évoluer sur votre chemin de vie. Il peut y avoir des petites choses à revoir sur votre principe, sur votre volonté de faire pour agir, pour vous affirmer. Donc voilà, après, il faut voir en fonction de votre thème, parce que là, ça reste très général, donc ça peut être dans plein de domaines de vie. Soleil quinconce Chiron en Bélier, donc là, encore une fois, il peut y avoir des choses à revoir sur le plan des blessures, on dirait, blessures de l'âme, des choses que vous pouvez ressentir en vous, il y a peut-être des petites choses à revoir. Du 1er au 23 juillet, donc voilà, c'est un premier semestre où il peut y avoir des petites choses qui peuvent blesser, mais ça reste pas, voilà, ça reste très mineur. Donc voilà ce que je peux dire sur les deuxièmes décans du signe du Scorpion. Et donc enfin, donc les natifs du troisième décan du signe du Scorpion. Alors vous aurez votre Soleil sextile à Pluton en Capricorne du 1er janvier au 21 janvier et du 2 septembre au 19 novembre. Donc ça, c'est vraiment pour les toutes fins du signe, hein, ceux qui sont nés le 21, 22, 23 novembre, on va dire, à peu près. Donc un aspect donc là, positif, avec des remises en question voilà, qui vous met en avant, qui vous permet d'aller au fond des choses, d'aller atteindre vos buts. Donc il peut y avoir des changements positifs qui se font. Alors ça se fait dans le temps, hein, ça a déjà eu le cas, on va dire, déjà les autres années précédentes. Et là, c'est un aboutissement, on va dire. Parce qu'après Pluton va passer définitivement en Verseau, hein, ça sera déjà une partie de l'année en Verseau. Donc là, forcément, vous allez le sentir encore un petit peu cette année, quelque chose qui doit se finaliser en fait. Alors ça peut être un renouveau de vous-même, une relation avec un homme, un père, une autorité, que sais-je, dans votre vie. Il y a des choses voilà, il y a un renouveau qui se fait, donc c'est plutôt positif. Alors ça peut être dans le travail, hein, Capricorne, mais pas que. En tout cas, il y a quelque chose de constructif qui se fait et c'est très positif. Car Pluton, c'est votre planète, donc ça rajoute vraiment de l'importance, on va dire, à l'aspect. Donc voilà, et vous allez vraiment le sentir une dernière fois cette année. Ensuite, Soleil Trigone Neptune en Poisson toute l'année également, donc très bon aspect pour l'intuition. Donc là, soyez alerte à ce que à vos ressentis, à ce que vous imaginez, soyez attentif à. N'hésitez pas à, comment dire, à rêver, à faire ce qui vous plaît. Vous avez un très beau ressenti, en plus d'être un signe d'eau, en plus Neptune en poisson en domicile dans ce signe. Donc, vraiment beaucoup d'intuition, de flair, vous êtes très alerte, vous avez les antennes bien. Voilà. Qui captent bien toutes les choses invisibles du monde. Donc,
comment vous dire, ça donne peut-être, même dans le merdiquin, un côté médium ou voyant. Hein. Mais bon, là, ce sera un peu présomptueux, juste voir un aspect de l'affirmer. Là, après, il faut voir ça sur un thème général, et même sur un thème général, c'est assez compliqué de tout voir. Mais voilà, de manière générale, ça donne quand même beaucoup d'intuition, et profitez-en et suivez donc cette intuition tout au long de l'année. Vous serez bien, vous serez sur la bonne voie, vous ne vous tromperez pas. Ensuite, en revanche, attention, parce que vous aurez Soleil opposé Uranus en taureau du 14 mars au 31 décembre. Donc là, attention, un aspect un peu de révolte, de rébellion. On a envie d'un peu de se libérer de certains carcans. Alors, ça peut être des restrictions avec ce qu'on peut nous imposer dans ce futur-là, probable. Mais pas que, hein, ça peut être aussi dans votre vie personnelle, pour diverses relations, dans vos relations personnelles. Ça peut être au travail, à la famille, que sais-je, ça peut être dans divers domaines de vie. Donc tout dépend de votre thème encore une fois, mais voilà, il y a un aspect d'excentricité, on veut se démarquer, et donc on veut rompre certaines choses avec peut-être certaines personnes, dont un homme ou un père par exemple, avec le soleil, ou une autorité par exemple. Soleil opposé Jupiter en taureau ensuite du 14 avril au 25 mai, donc encore une fois il a un aspect un peu alors compliqué, mais pas trop, parce que c'est Jupiter, ça reste le grand bénéfique comme on dit dans la tradition. Donc c'est plutôt des excès, attention de ne pas être trop suffisant, d'être orgueilleux, parce que vous êtes voilà, très jovial, très confiant, on va dire, sur certaines choses. Donc il peut avoir un aspect voilà, de vouloir peut-être dépenser, d'être même en rapport à ce qu'est la bonne chère, tout ce qui est les biens matériels, physiques, et tout ça, on peut en profiter un peu beaucoup. Donc il y a un aspect un peu voilà, de trop de confiance en soi, ce qui peut un peu parfois. Après, revoir un peu certaines choses, parce qu'on peut s'éloigner de certaines personnes aussi. Alors, ça peut être un éloignement avec Jupiter, avec un homme ou autre. Donc, voilà, il faut pas, faut voir après sur votre thème pour voir comment on peut vivre au mieux cet aspect. Ensuite, Soleil quinconce Jupiter en Gémeaux du 11 septembre au 31 décembre. Donc là, encore une fois, avec le Jupiter qui passe dans le signe suivant, là, c'est plutôt des excès sur le domaine des échanges, de la communication, des déplacements. Peut-être que vous allez en parler un peu trop. Mais ça reste léger. En plus, ce Scorpion est plutôt un signe mystérieux qui est pas trop comme les Gémeaux à trop blablater, on va dire. Mais après, ça dépend de votre thème, encore une fois. Hein. On va avoir des Scorpions très très bavards, si vous avez tout en maison 3, par exemple. Voilà, après, c'est vraiment très général. Donc, du coup, ça peut donner voilà, une légère confiance, des légers excès, encore une fois, dans ces domaines. Ensuite, Soleil sextile Mars en Capricorne du 1er au 13 février. Donc là, bon aspect pour agir dans vos buts, les buts que vous voulez atteindre, donc dans le travail, un travail à battre, à atteindre. Donc là, c'est positif. N'hésitez pas à mettre toutes vos chances de votre côté, les capacités pour agir dans les domaines. Là, ce serait plutôt favorable. Soleil carré Mars ensuite en Verseau du 11 au 22 mars. Donc là, attention en revanche au risque d'agressivité, de conflit. De disputes, de querelles, hein, notamment dans des groupes, des échanges, des associations, pour refaire le monde, ou pour des idées avant-gardistes, par exemple. Alors, ça peut être avec une autorité, donc soyez assez alerte, hein, pour y avoir des imprévus à ce moment-là. Soleil Trigone Mars en Poissons, du 18 au 30 avril, donc là en revanche, bon aspect encore une fois, pour agir en fonction de vos idéaux, de votre intuition. Vous êtes inspiré, hein, donc n'hésitez pas à faire jouer vraiment votre ressenti, hein, vous êtes très. Très efficace là-dessus, très lucide, très, très perspicace, hein, le scorpion, et très intuitif. Donc, du coup, très bon aspect pour ça, j'y en conséquence. Soleil quinconce Mars en bélier du 27 mai au 9 juin. Donc là, à nouveau, une petite aspect de tension pour vous affirmer dans l'affirmation de vous-même, dans les actions franches que vous pouvez établir. Mais ça peut, voilà, c'est des légères déconvenues, mais c'est très léger. Ça peut créer. Des petits désaccords, mais c'est pas méchant, c'est pas violent. Soleil opposé Mars en taureau du 7 au 20 juillet, donc en revanche, c'est un peu plus critique, donc attention aux oppositions, là, vous pouvez rentrer vraiment en conflit, comment dire, latent, très, en conflit frontal, donc attention, parce que ça peut être comment dire, des ruminations et des aspects de colère, on est colérique, hein, des aspects de ressassement qui peut ressortir et être un peu violent, donc comme Mars est en exil dans ce signe, attention à cette période d'été qui peut être un peu violente sur le point de vue des conflits.
Soleil quinconce Mars en Gémeaux, donc ensuite du 20 août au 4 septembre, donc encore une fois, légère tension dans les communications, les échanges, mais ça reste mineur. Donc attention à ce que vous pouvez dire, encore une fois, à faire par rapport aux idées pratiques que vous voulez mettre en place, par exemple, ça peut pas toujours être bien vécu, bien perçu. Soleil trigone Mars en Cancer du 12 octobre au 4 novembre, donc là en revanche, très bonne énergie pour agir en fonction de vos humeurs, de vos émotions, de vos ressentis en Poisson et en Scorpion et Cancer. Donc mettez tout de votre côté pour vraiment suivre votre intuition, c'est positif. Alors, ça peut être dans la famille, dans le foyer, où vous avez des choses à faire, mais aussi dans d'autres domaines de vie. Soleil sextile lune noire enfin en Vierge du 1er avril au 29 juin, donc bon aspect de réparation sur le plan karmique, sur votre personnalité, sur votre moi profond, sur ce que vous voulez faire, sur peut-être certaines tâches quotidiennes de la vie quotidienne qui a besoin d'être vues, d'être. Qui peuvent vous permettre de vous sentir plus en adéquation avec vous-même. Donc il y a des choses à revoir peut-être sur ces domaines-là, dans le travail. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec la signe de la Vierge, mais ça peut être aussi dans la santé, voilà, dans plein de domaines qui peuvent être réparateurs. Mais encore une fois, il faut voir votre thème, parce que là, c'est très général. Donc ça peut être aussi dans d'autres domaines de vie que cet aspect peut être bénéfique. Donc voilà ce que je peux dire essentiellement donc sur les trois décans du signe du Scorpion. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter aussi hein, si vous le souhaitez. Donc tout est en description sous la vidéo. Et ben, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe du Sagittaire. Je vous remercie, au revoir.